Shalom, shalom, les amis. Là, soyez en place. Stéphane Ayakar. Voilà, les amis. Dites-moi si c'est OK le son, si vous entendez bien, parce que je suis toujours dans mes recherches de. À vos prochaines. Ah, merci, Madame Benassera. Et Fauchelema pour Patrick, Shalom Ben Merzouk, Shalom Toati, Bezat Hashem, Besoudra Ben. Voilà, on essaye les autres chiens. David Nakash Ben Solange de Natania, les autres chiens. F.O.H. Lema. Allez, les amis, Hachem. Des bonnes nouvelles, Bissoudra Benou, les autres chiens. On n'a que des bonnes nouvelles. אשרנו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו. אשרנו מה טוב חלקנו, ומה נעים גורלנו. אשרנו מה טוב חלקנו, ומה נעים גורלנו. אמן אמן, מדם זוהר יפורוסי. אשרנו מה טוב חלקנו, ומה נעים גורלנו. אשרנו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו. אשרנו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו. Ashrenu matafel kenu, manayim yoralenu. Ashrenu matafel kenu, manayim yoralenu. Ashrenu, on a un tzadik kazé, Abenu Nachman Feye, qui s'occupe de nous, nous protège et nous bénit, Bezat Hashem. Pour Shlema, pour tous les malades, la délivrance pour chacun et chacune, Bezat Hashem. Et surtout se rapprocher plus du tzadik, l'esprit proche du tzadik, Bezat Hashem. Voilà, Ashrenu, Matov Chelkenu. Alors, Bezrat Hashem, on fait le cours pour la réfroche Shlema de tous les malades, pour la délivrance du monde, pour la fin de la persécution des êtres humains, pour la fin de la folie, Bezrat Hashem. Pour le rapprochement, Rabbeinu, on peut se rapprocher, qu'on puisse se rapprocher, Bezrat Hashem. Alors, on avait vu dans les dernières études sur l'écouté à la faute, sur le principe du Mishpat, on avait vu que du jugement, que non, il ne faut pas lire les lignes de la main, Madame Krayavatam, on en a parlé. Les Hashem, on porte les lignes de la main en nous, et voilà, et quand et nos mains sont imprégnées des lignes. C'est tout, on n'a pas besoin de lire des lignes de la main. On n'a pas besoin de ça. On a besoin de ça, on a besoin de se rapprocher de Rabbeinu. On a besoin de se rapprocher de Rabbeinu. C'est tout ce qu'on a besoin. C'est la seule chose qui nous manque. Rabbeinu dit, Ani Erhol Hakol. Rabbeinu dit, moi je peux tout faire. Alors qu'est-ce que vous avez besoin de lire des lignes de la main ou de Madame Soleil ou. Qu'est-ce que vous avez besoin? Pas besoin. Rabbeinu, il dit, voilà, Ani Yechol Hakol.
Ani Yechol Hakol. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Et justement, c'est le mendiant qui n'a pas de main qui dit ça. C'est le mendiant qui n'a pas de main, c'est lui qui dit ça. C'est lui qui dit ça. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous demande? Il dit, regarde, fais ce que tu peux, et tout. Toi, fais ce que tu peux. Sois joyeux et avance, c'est tout. Et sache que tout ce qui se passe avec toi, c'est la justice divine. C'est la volonté d'Hachem, c'est la justice divine. Il n'y a pas du tout à avoir de colère, ni de rancune, ni se dire pourquoi moi j'ai une vie comme ça, pourquoi je ne suis pas comme ci, pourquoi je ne suis pas comme ça. Et tout. Lui, il a dit, il peut tout faire. Donc ça y est, on n'a plus de, on a plus de soucis à se faire. Vous comprenez? Il n'y a pas de, il nous a pas dit, bon, il faut vous débrouiller et tout. Il a dit, non, je marche devant vous. Ani Yechol Hakol. Alors, qu'est-ce que vous voulez de plus que ça? Ani Yechol Hakol. Donc, ça y est. Ani Yechol Hakol. Rabbeinu, il peut tout faire. Alors, on avait vu que, Quand maintenant on donnait de la tzedaka, il fallait donner kol hamishim, voilà comme vous dites Pierre Castel. Kol, aniechol akol, ça veut dire c'est moach nun, c'est le cerveau de la 50e porte. Il y a tout là-bas. C'est ça qu'il faut comprendre, les amis. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut se mettre dans la tête et dans le cœur. C'est qu'on est dans la 50e porte. Vous comprenez? On n'est pas maintenant dedans. Dans les 49. On est dans la 50e. On est les NFT. On est dans le métaverse. On est dans la 50e porte de la Kedusha. Que tout ça s'obtient par communication, par connexion, par inclusion. C'est un autre système complètement. Donc, cherchez à vous inclure. C'est tout comme on a vu. Quel est le rapprochement d'Hachem? C'est comment on se rapproche d'Hachem? Et oui, je ne sais pas ce qu'on a fait, mais on est venu en Angleterre, il y a 40 ministres qui ont démissionné, le président aussi est en train de démissionner. Je ne sais pas ce qu'on a fait, mais en tout cas, le Gibor, il travaille, le Baltfila, il travaille. On ne sait pas ce qu'on fait. On ne sait rien que Rabbeinu, il agit à travers nous, c'est tout. On ne sait pas ce que c'est Hatzot, Sipurim Asiot en Angleterre. On ne sait pas ce qu'on fait. On ne sait rien. On n'est pas conscient du tout de ce qu'on est en train de faire. Du tout, du tout. Mais Baruch Hashem, Rabbeinu, Asherenu, Matov Chelkenu, Umanaim Goralenu. Vous comprenez? On est dans un autre système. Et le système a changé. Et Foshlema pour Ariel Bat Chaya. Bezrat Hashem Besod Rabbeinu. Le système a changé. C'est un autre système. On n'est plus dans les 49. Les 49, c'était autre chose. 49, c'était autre chose. Voilà, ça nous dépasse, comme vous dites, Koski Flore. Ça nous dépasse. Parce qu'on a besoin de savoir. Parce qu'on a besoin de savoir. Nous, on a un rébé qui marche devant nous. Il nous a dit, voilà, vous amenez les briques et le ciment, c'est tout. Faites ce que je vous dis de faire. Et le reste, moi, je m'en occupe. Vous ne faites pas ne calculez pas. Vous. Faites ce que je vous dis de faire. Faites ce que je vous dis de faire. Et le reste, c'est moi qui m'en occupe. Voilà, c'est tout. Vous aimez le changement? Ben oui, et vous n'êtes pas seul à aimer le changement. C'est plus que le changement, là. C'est la révolution. C'est des changements totaux. Tout change. Tout change. De la 50e porte de l'impureté, où maintenant ils veulent complètement détruire le monde, c'est-à-dire ils veulent amener tout le monde ils veulent amener tous les gens
à la destruction, de tuer des gens, diminuer la population mondiale, tout ça. Ok, ils pensent des choses comme ça. Mais bon, prochaine. Il y a Rabbeinu, il est là. Rabbeinu, il est là. Et plus la cordonnerie, elle avancera, et plus ça se passera bien, et ça ira plus vite, c'est tout. Baruch HaShem. Chaque mot qu'on dit de Rabbeinu, c'est des bombes atomiques. C'est 1 milliard de fois plus puissant que la bombe atomique. Ça vient, ça fait des changements dans le monde extraordinaires. Des changements extraordinaires dans le monde. Nous, on n'est pas conscients. Voilà, bien sûr, il y a des clones, des clones, des clonages. Tout ça, c'est la 50e porte, c'est le système du clonage. Vous voyez tout ce qui se passe dans le monde, tout ce qui se passe. Vous voyez le clonage des individus. Combien de gens qui sont déjà morts, et c'est juste des clonages qu'il y a. C'est des clones, eux, ils sont morts déjà. Combien de gens qui sont déjà, ils sont morts, ils les ont tués déjà depuis longtemps. Et maintenant, c'est des clowns avec des masques. Maintenant, tout ça, on le voit dans, et on le voit dans le, dans la Sitrahara. On voit comment la Sitrahara, elle fonctionne. Mais la Kdusha, ça fonctionne de la même façon. C'est le fonctionnement de la 50e porte. On fonctionne par clonage, c'est-à-dire par inclusion. On s'inclut dans le niveau qu'on veut atteindre. On monte plus les marches pour arriver. On monte pas les 49 portes, les 49 marches. On s'inclut dans la 50e porte. Les beaux petits chemins de cette nuit, un ruisselet chantonnant. Amen, amen. Voilà, je vous ai dit, on se fait des cartes de visite. Quelle est votre profession? Diffuseur de lumière, distributeur de sourire. Voilà le métier, c'est tout. C'est tout, c'est ça notre métier. Asherenu Matov Chelkenu. Voilà, c'est tout. La 50e porte, c'est un autre mode de fonctionnement. C'est pas ce qu'il y avait avant. Quand Rabbeinu est venu dans le monde a changé. C'est pas le monde comme on l'a connu avant. C'est un autre monde. Un autre monde complètement. C'est pas le même monde. C'est pas le même monde du tout. Dans la clinique de la joie. Oui, Madame Cathy. Dans la clinique de la joie. Donc, Bezat Hashem, aussi pour la semaine prochaine à Paris, je vais vous dire où. Normalement, Bezat Hashem, ils m'ont dit qu'ils ont trouvé un endroit. Donc, ils me donneront les coordonnées et je vous dirai les horaires et quand est-ce qu'on peut, Bezat Hashem, étudier et se voir là-bas. Il faut changer d'attitude. Vous comprenez? Il faut méchouner frayer leur attitude. Vous ne pouvez pas rester dans les attitudes des 49 portes. Le roi, il a dit à son fils, tu vas perdre la royauté, sache-le. Pourquoi tu vas perdre la royauté? Parce que la royauté que tu as construite, exactement, c'est Pintrel, comme tout c'est une merveille. Maintenant, ne crois pas que il a dit, tu pourras pas construire. Tout ce que tu as construit, ça va être complètement nul et non avenant. Ça vaudra rien du tout. Tu vas perdre la royauté. Mais par contre, sois Meshoune Frailar, parce que maintenant, tu vas vivre en connexion. Tu vas avoir un pouvoir, qui est le pouvoir d'Hachem, qui est le pouvoir des tzadikim, et tu vas obtenir par connexion. Vous vous rendez compte que les tzadikim, ils rentrent en nous, ils s'associent à notre âme, et ils sont béibour, ils rentrent en nous, et ils nous dirigent, et ils nous donnent des forces, et ils nous disent où on doit aller, qu'est-ce qu'on doit faire, et ils nettoient le terrain, et ils font tout pour nous. Ce qu'on a besoin, c'est la Emouna, c'est tout. Shalom, shalom. Shalom, Madame Vilim, shalom à tous. Vous comprenez, ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est la Emouna, c'est tout. Parce qu'aujourd'hui, on est de Tzadik Bemounato Ifié. C'est-à-dire, on vit avec la Emouna. C'est tout. Notre façon de vivre, c'est la Emouna. On n'a pas d'autre fonctionnement. Le statut actuel, c'est la Emouna.
Eh bien, que j'ai des bonnes lunettes et je peindrai les gros lunettes. La première paire, elle vous sert à voir le tzaddik dans ce monde et la deuxième dans l'autre monde. Bezrat Hashem. Comprenez, on est là, on doit savoir qu'il y a un nouveau mode de fonctionnement et on doit aller d'après ce nouveau mode de fonctionnement. Voilà, vous voyez qu'on vit dans un autre monde complètement. On est dans un autre monde. Seulement, il faut écouter. Rabbi nous dit voilà, soyez, appuyez-vous sur moi, Rabbi nous. Il dit appuyez-vous sur moi, appuyez-vous sur moi. Faites ce que vous pouvez et appuyez-vous sur moi. Amen, amen. On poche les mains pour tout le monde. Atashem. Faut un effet sur votre agouf. Atashem. La refoua pour les pour la refoua mentale, la refoua physique, la refoua émotionnelle. La refoua, le monde a besoin de refoua. J'ai vu quelqu'un qui disait hier, il disait, je suis obligé de me soigner parce que mon mari est malade. Donc comme il est malade, pour pouvoir vivre avec lui, il faut que je me soigne. Voilà, regardez dans quoi on arrive. Avant, quand les gens ils étaient malades, on soignait le malade. Maintenant, on soigne les gens pour qu'ils puissent vivre avec le malade. Voilà où on est. On soigne les gens. On leur apprend à vivre différemment. On leur apprend à avoir d'autres concepts de vie pour pouvoir vivre avec les malades. Voilà où on en est aujourd'hui. C'est-à-dire, au lieu de soigner le malade, on fait que celui qui n'est pas malade, c'est lui qu'on va soigner pour qu'il puisse vivre avec le malade. Voilà où on en est. Vous comprenez? C'est-à-dire que on vit par adaptation. Vous voyez? On vit par adaptation. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous pouvez pas imposer une forme. Aujourd'hui, vous devez prendre la forme de tout ce qui vient. Tout ce qui vient, vous prenez la forme. Tout ce qui vient, vous prenez la forme de la chose qui arrive vers vous. Amen, amen. Amen, amen. Refoua, exactement. Il faut changer de méthode. Avant, on avait une façon de voir les choses. Voilà, comme l'eau, comme vous dites, Madame Margaret Razak. C'est-à-dire, avant, on avait une façon de voir les choses. On essayait d'adapter le monde à la façon qu'on avait. On a des idées et on essaye de mettre en place ces idées et de vivre d'après ces idées. C'est comme ça. Les gens, ils pensent des choses. Et ils ont compris des choses. Donc maintenant, ils essayent de vivre d'après ce qu'ils ont compris. Après ce qu'ils ont compris. Aujourd'hui, ce n'est pas comme ça du tout. Aujourd'hui, on ne peut plus vivre comme ça. Aujourd'hui, d'abord, des idées, il n'y en a pas. Aujourd'hui, il y a de la connexion, c'est tout. Il n'y a pas d'idées, il y a de la connexion. Parce qu'on vit dans un flux d'énergie qui est tellement puissant qu'il n'y a aucun cerveau au monde qui peut gérer ces flux d'énergie. C'est impossible. Il n'y a aucun cerveau au monde qui gère ça. Donc maintenant, devant ce flux d'énergie, on ne peut plus venir avec des compréhensions. C'est comme si vous vous trouvez maintenant, si vous êtes devant un robinet, alors vous pouvez venir avec votre verre ou votre casserole, votre marmite, vous la mettez sous le robinet, vous remplissez votre verre. Mais si vous trouvez maintenant dans un fleuve, vous n'allez pas remplir une bassine. Vous trouvez dans un fleuve, il faut apprendre à nager. Il faut nager. Il faut nager dans l'eau. Il faut nager dans le fleuve. Avec, c'est plus du tout la même façon de faire. Ça a changé. Tout a changé, vous comprenez? C'est plus du tout la même approche de la vie. Ça a changé. Le monde a changé. Quand Rabbeinu est venu, le monde a changé. On est passé dans la 50e porte,
dans le monde de l'imagination, c'est-à-dire dans le monde de la projection. On est dans un monde de la projection. Ben, Bo Hachem, qu'ils n'ont plus de tête, heureusement, parce que leur tête, elle va les détruire complètement s'ils ont une tête. Heureusement qu'ils n'ont plus de tête. Ah, vous dites que le mot de passe dans le café de Budapest, c'est Mazal Tov. Voilà. Aujourd'hui, on n'a pas de. Aujourd'hui, on ne fonctionne plus par maîtrise des situations. On est submergé, voilà, comme vous dites, on est submergé. Maintenant, on est dans Yellow Submarine. Et tout, on est Yellow Submarine. On est dans notre sous-marin jaune, dans le sous-marin. C'est plus l'arche de Noé, c'est le sous-marin. On est dans le sous-marin. Et on va. Voilà exactement, Margaretti. C'est justement pour qu'on fonctionne avec la Emouna, pour qu'on vive avec la Emouna. C'est pour ça qu'on nous a donné cette façon-là de vivre, qu'on nous a mis dans cette situation-là. Exactement. On veut du bitoul. On a vu dans ces programmations. Qu'est-ce qu'il veut le Gibor? Il veut du bitoul. Il veut du bitoul. Il veut de la soumission, c'est tout. Qu'est-ce que c'est de la soumission? La soumission, ça veut dire je sais rien. Maintenant, je vais vivre avec ce qui va se présenter dans la journée. Je vais faire du slalom. Je vais faire du slalom. Celui qui fait du slalom, il a pas, c'est pas une route. Il sait pas. Mais il sait que quand un truc qui se présente devant lui, tac, il doit éviter ça. Il doit faire ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut que vous preniez la forme des événements qui évoluent à une vitesse énorme. Et il faut que vous adaptiez tout le temps. Il faut faire des adaptations tout le temps, sans arrêt. On s'attaque tout le temps, s'adapter. Donc celui qui est raide, il ne va pas pouvoir tenir. Voilà, zigzaguer, Shimon, Azak. Zigzaguer, c'est-à-dire que maintenant, on épouse la forme de ce qui va venir, vous voyez. On ne sait pas ce qui va venir. On esquive, mais ce n'est pas que esquiver. Esquiver, c'est pour, par rapport aux choses négatives, mais par rapport aux choses positives. Baruch Hashem, Chaya Bataron, Baruch Hashem, que tous les jours, Bezat Hashem, vous n'avez que des bonnes nouvelles et des sourires. Voilà, exactement. Aujourd'hui, l'intelligence, c'est l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle? C'est-à-dire que l'intelligence, ce n'est pas une intelligence stockée. Ce n'est pas maintenant, je sais des choses, alors je vais les appliquer. Non, tu ne sais rien. Il va venir des choses à toi. Hein. Sois prêt, c'est tout. Sois prêt à t'adapter. Voilà, exactement, on épouse, exactement. Le Foshlema pour Liel Sarah Badrivka, Bezrat Hashem, Bezrat Rabbeinu Akadosh, Abbanu Nachman Menfeges, Rote Yaginanenu Akol Israël, Amen. Si on connaissait la grandeur de Rabbeinu, et on savait combien, quand Rabbi Nathan nous fait ressentir un petit peu ce qu'il ressent dans son cœur de la grandeur de Rabbeinu, bien qu'il dise que tout ce qu'il connaît de Rabbeinu, c'est rien. Si on ressentait un petit peu, alors on n'aurait qu'une seule chose, c'est s'inclure dans le tzaddik. C'est-à-dire que plus vous incluez dans le tzaddik, plus le tzaddik s'inclut en vous, comme Yoshua Benoun. Du fait que maintenant, Du fait que maintenant, Yoshua Benou, il est dans le Ohel de Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire il est dans la tente de Moshe Rabbeinu. Il rentre dans le NFT, il rentre dans le métaverse de Rabbeinu.
C'est pas lui, c'est plus Yoshua Benoun. Yoshua Benoun, il est plus là. Il est dans l'attente de Moshe Rabbeinu. Maintenant, qu'est-ce qu'il devient? Il devient quelqu'un qui est une projection de Moshe Rabbeinu. Il va agir avec l'énergie de Moshe Rabbeinu. Il va faire ce que Moshe Rabbeinu veut qu'il fasse. Il va être optimisé à un niveau que jamais de sa vie, il n'aurait même pas fait un milliardième de ce qu'il va faire avec ce que Moshe Rabbeinu va lui donner comme énergie. Il va lui donner de son souffle divin. Quand vous vous soumettez au tzaddik, qu'est-ce que vous faites? Vous devenez, comme Rabbeinu dit, je veux que vous soyez des tzaddikim, kamoni, mamash. Que vous soyez des tzaddikim, comme moi, mamash. Que ça veut dire qu'on va devenir comme Rabbeinu? On peut faire, nous, ce que Rabbeinu, il a fait. On peut arriver à ce que Rabbeinu, il a fait. On peut pas arriver. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on va devenir des tzaddikim comme Rabbeinu? Ça veut dire que maintenant, quand on va s'inclure, alors, comme nous, on s'inclut en lui, lui, on devient lui. On devient lui. Vous comprenez? On devient lui parce qu'on s'inclut. On devient lui. Et à ce moment-là, c'est l'intelligence artificielle. Ça y est, c'est plus notre intelligence. Donc on arrive à des niveaux d'intelligence, de compréhension que nous-mêmes on voit que ça vient pas de nous. On voit même nous-mêmes. On voit que le cordonnier, comment il devient gouverneur sur tous les gouverneurs? Lui, c'est un cordonnier, il sait même pas faire des chaussures. Qu'est-ce qu'il va devenir gouverneur sur tous les gouverneurs? Mais parce que par l'inclusion, on peut arriver à des niveaux extraordinaires. Oui, le hibour, David Kadosh, oui, on en a parlé tout à l'heure. Le hibour du tzaddik, c'est-à-dire que maintenant, plus toi, tu t'es mis à ber, c'est-à-dire plus toi maintenant, tu te soumets au tzaddik, et plus tu laisses la place au tzaddik pour agir en toi. Voilà, vous confirmez, Adelfrima, c'est Badouk. C'est vérifié. Ben, l'effort de se parfaire aujourd'hui, c'est un effort d'inclusion. Voilà, Pentrel, Batslacha, Batslacha. Rabbeinu vous accompagne, vous occupez des portes, Bézant Hachem. Voilà, le tzaddik, ce sont ses élèves. Voilà, on nage avec le courant. C'est-à-dire que aujourd'hui, il faut beaucoup de souplesse, beaucoup, beaucoup de souplesse. C'est pour ça que je fais Mishune Fraï là. Parce que pourquoi? Parce que Afalpiken, Adraba. C'est-à-dire, on prend la chose, on la tourne. C'est-à-dire que normalement, un problème, c'est un problème. Maintenant, on prend un problème, on le voit comme une solution, pas comme un problème. C'est pas un problème, Adraba. Adraba. Au contraire. Au contraire. Afalpiken, malgré ça. Au contraire. Ça veut dire au contraire. Ça veut dire au contraire. C'est Nifla Meod. C'est Nifla, c'est extraordinaire. Mais comment c'est extraordinaire? Mais qu'est-ce que tu veux faire? Je veux m'inclure dans Hachem, je veux m'inclure dans le tzaddik, c'est tout. Je sais rien. Donc ce qui vient, allez, j'épouse la forme. J'épouse la forme, c'est tout. Merci Aaron. Une trauma pour finaliser le Mishkan de Oman et démarrer la Yeshiva des cordonniers à Yerushalayim, qu'on puisse être soumis au tzaddik toute notre vie. Amen, Aaron. Be'atzlacha, mon ami. Merci pour ta tzedaka, pour ta générosité. Alors, Hachem, tous les jours avec nous. Il t'ouvre toutes les portes, Rabbeinu, Bezant Hachem. Vas-y, Rabbi Ma'ak. Hachem, il est avec toi. Le tzaddik, il est avec toi. Avance, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Avance, c'est tout. Avance, Baruch Hashem, avec ta famille. Tu avances, c'est tout. Tu vas voir, tout s'ouvre. Il faut passer le problème de la logique, c'est tout. Exactement. C'est comment on réagit par rapport au problème. Vois les mains pour Sonia Batrabeba, notre cher ami Aurélien, le beau Dédé de Paris. Combien de gens, Aurélien, qui font une beau Dédoute aux terrasses des cafés avec des lunettes de soleil et qui font leur une beau Dédoute à la terrasse d'un café à Paris. Ça n'a jamais existé, ça. Il n'y a aucun tzaddik dans le monde qui peut dire qu'il a fait ça.
Orele, Ashrenu Matov Chelkenu. Amen, amen, amen. Bezot Hashem, toute la cordonnerie. Ashrenu Matov Chelkenu. Et bien sûr, parce qu'on parle de Rabbeinu, parce qu'on diffuse Rabbeinu, parce qu'on veut se rapprocher de Rabbeinu. C'est pour ça qu'il y a toutes ces difficultés. Mais en fait, toutes ces difficultés-là, c'est des choses qui arrondissent les angles. C'est-à-dire que c'est pour nous permettre de passer au travers de tout ça. C'est-à-dire que maintenant, on a des difficultés, on a des opposants, on a des gens qui font des problèmes. Mais ces problèmes-là, en fait, ils sont pour nous enlever ce qu'il y a en nous de logique. Pour qu'on puisse dire « Afalpiken Adraba ». Même qu'il y a ça, je sais que ça va marcher. J'ai aucun doute que ça va marcher. Donc ça, ça nous aide en fin de compte. Comme Rabbeinu dit à son frère, il dit que sache que tous ses opposants, en fait, ils t'aident. S'ils savaient combien ils t'aident, ils seraient pas opposés tellement à toi. Parce qu'ils t'aident énormément. Pourquoi ils t'aident énormément? Parce qu'en s'opposant à toi, ils t'obligent à lâcher toute compréhension. Tu avais Emouna Trabalelo, tu rentres dans la Emouna, dans l'obscurité totale de ton cerveau, c'est-à-dire que tu vas avec la Emouna et tu vois rien avec ta tête. Tu sais pas, tu n'as pas de solution logique. Et pourtant, tu sais que ça marche. C'est ça la 50e porte. C'est-à-dire que tu sais, ça marche. Tu sais que ça marche. Même si que maintenant, logiquement, ça a l'air bizarre. Mais ça marche. Ça marche. Tu sais que ça marche. Tu es sûr que ça va marcher. Il n'y a aucun doute sur ça. Donc ça, c'est, Baruch Hashem, Ashrenu Matov Chelkenu. Mais c'est on est obligé d'en parler tous les jours parce que c'est tellement, le monde, il est tellement opposé à ça. Mais d'un autre côté, Baruch Hashem, aujourd'hui, on voit la folie. On voit la folie. C'est merveilleux. Avant, on ne voyait pas ça. Quand j'étais jeune, j'avais 17 ans, j'étais à Toulouse, je faisais de la musique, j'étais là, chercher les cafés théâtres, les trucs, on était là, des musiciens, là, par là, allez. Mais on voyait pas la folie comme ça. On voyait pas, les gens, ils étaient sérieux. Arlette Laguier, truc, Giscard, Pompidou, truc. Ils avaient l'air sérieux, les gens. Ils avaient l'air très sérieux. Vraiment sérieux. Aujourd'hui, Baruch Hashem, on voit que c'est une folie totale. Une folie totale. On voit que de la folie. Que de la folie. Tous les gouvernements, c'est de la folie totale. Voilà, à Londres, ils ont démissionné. 40 ministres. Le président, il va démissionner. En France, le président de la République, c'est plus un président, il a plus de pouvoir à l'Assemblée. Est-ce qu'il rentrait à l'Assemblée tous les schnorrères qu'il y avait, tous les gens qui se trouvaient aux bouches de métro, ils sont rentrés dans l'Assemblée nationale, ils savent même pas ce que c'est, ils savent pas qu'est-ce qu'ils doivent faire. Ils essayent de savoir, mais qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qu'on doit faire, en fait? Non, non, il faut faire semblant que ça va. Amen, amen, Aaron. Chazak, chazak, on lâche tout. Mishune Freiler, on brise l'opposition et la logique. Voilà, ils sont à la rue, mais c'est beau de voir ça. C'est beau de voir ça. Waouh, Yeru enenu vismach libenu, nos yeux, ils voient et notre cœur, il se réjouit. Parce que maintenant, on voit que le système, c'est un système de fou complet. On voit qu'ils sont complètement fous. Regardez en Israël, le gouvernement, regardez Poutine, regardez l'Ukraine, regardez l'Amérique, Biden, des folies, des bêtises, des ne parlons pas de toute la perversion, de tous les... Horrible, 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 horrible. Ils parlent clairement. Quelqu'un, il a fait un discours, il a dit, voilà... Le satanisme, c'est la religion de l'élite. L'élite du monde, sa religion, c'est le satanisme. C'est ça la religion de l'élite du monde. Regardez où on est. Ça se dit clairement. C'est des discours qui se disent publiquement. Regardez où on est. Mais comment on dit du Rachrenou?
Comment on doit dire Shrem? Qu'on est là, Baruch Hashem, on veut faire un, on veut faire un, la volonté d'Hashem. C'est un hôpital psychiatrique, oui, mais Madame Cathy, il est de haut niveau. Et c'est la camisole de très très haut niveau. Bénédiction pour la paix pour ma famille et ta cordonnerie. Gratitude à votre épouse, votre bien-être. Merci, merci. J'aime vous bénir, c'est l'habitude Yacoub. Voilà le monument qui est détruit, des trucs. C'est des choses. On comprend rien ce qui se passe. Mais ce qu'on sait, c'est que Baruch Hashem, tout ce que Rabbeinu nous a dit, on le vit. On le vit. Et Baruch Hashem, plus on écoute Rabbeinu, et plus on vit ces choses-là avec la joie. Parce qu'on voit, Baruch Hashem, au lieu d'être inquiet, au contraire, on est joyeux. Merci Nexus Miller pour le Mishkan. Que Dieu vous bénisse. Ouais, on veut finir le Mishkan. Ça aussi, c'est on sent que chaque chose là-bas, c'est, ça attaque Amalek, mais en pleine face. Et c'est, mais tranquille. Rabbeinu l'a gagné déjà. Donc Rabbeinu dit, regardez les amis, c'est terminé déjà. J'ai terminé, je vais terminer, j'ai gagné, je vais gagner. C'est déjà terminé. Donc, quand on vous dit c'est terminé, donc vous occupez plus du comment et des comment on va faire ça, comment on va faire ci. C'est terminé. Ce qu'il faut faire, c'est juste la émouna. La émouna s'inclure. S'inclure, écouter le tzaddik et s'inclure. Être à l'écoute. Comme Rabbeinu dit, si quelqu'un il écoute un sage, il est plus fou. Si un fou il écoute un sage, il est plus fou. Donc nous, c'est pas qu'on n'est pas fou. Nous aussi on est fou, parce que nous aussi on vit avec eux dans ce monde-là. On est là. Nous aussi on est fou. Mais le fait que maintenant on écoute Rabbeinu, alors on n'est plus fou. On n'est plus fou, puisque maintenant ce qu'il y a en nous, c'est pas nous, c'est Rabbeinu. Donc on n'est plus fou. On n'est plus fou du tout. C'est terminé. Et ils veulent nous faire prendre une. Merci Aaron. Que Hachem te bénisse, son ami, pour ta tzedaka, pour ton aide. Mais Bezrat Hachem, on va y arriver. On va y arriver, Bezrat Hachem. On va y arriver, on va voir. On va voir. Rabbeinu, il va gagner. On va le voir. Ça, c'est pas. On le voit déjà un peu, mais on va le voir en grand. On va le voir en grand. Oui, l'inclusion, c'est la Elemouna. C'est avoir confiance dans le tzaddik. Donc, Rabbeinu dit, regarde. Tu es fou. Je sais que tu es fou. Si Rabbi Nathan lui-même, il a dit, je suis fou, mais j'ai connu quelqu'un de normal. Ça veut dire que c'est sûr que nous, on est fou. Mais seulement, on écoute quelqu'un de normal. Donc, non seulement on est normal, mais on est au-dessus de la norme. Pourquoi? Parce qu'on écoute quelqu'un qui est un tzaddik qui est Sodolam, qui est le plus grand tzaddik qu'il y a jamais eu dans le monde. Que tous les tzaddikim qu'il y a eu dans le monde, ils sont inclus dans Rabbeinu. Tous les tzaddikim, ils sont inclus dans Rabbeinu. Merci Alexandre Rado, merci, Hachem te bénisse. Tous les tzaddikim, ils sont inclus dans Rabbeinu. Et ben, Hachem, on a le mérite, la cordonnerie, écouter Rabbeinu, faire il vaut des doutes, qu'on a clalé, Ratzot, Ouman, Shunefraïla. Et c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Il y a quelqu'un, notre ami Emmanuel, il m'a dit qu'il a été voir le Rav Besançon il y a quelques jours. Et il lui a parlé encore de Shunefraïla. Il dit, Shunefraïla. Et tout. Shunefraïla. C'est-à-dire que maintenant, Shunefraïla, ça veut dire que tu peux pas du tout toucher la logique. Tu vas rien comprendre. Et tout. Tu vois un obstacle, tu sautes, c'est tout. Ça y est, il y a une haie, tu sautes, c'est tout. Il y a un obstacle, tu sautes. Il y a un truc, tu sautes. Tu t'adaptes à la situation. Tu fais ce que tu peux pour gérer la situation
comme elle se présente à toi. Mais n'essaye surtout pas de gérer quoi que ce soit avec ta tête, parce que là, tu vas te déchirer, tu vas souffrir terriblement. Des nerfs, de la révolte, de l'incompréhension, de la trahison, de la, tu vas voir de combien d'ingratitude, tu vas voir des choses terribles. Si tu rentres là-dedans, t'es terminé. Si tu rentres là-dedans, tu es terminé. Tu vas te rendre malade de tristesse et d'incompréhension, de combien tu vas être déçu. Ne rentre pas là-dedans du tout. Avance. Chaque projectile qui arrive, tac, tu l'évites. Ou tu le prends, tu t'adaptes. Une situation, elle vient, tu t'adaptes à la situation. Tu prends forme. Pour ça, il faut que tu annules ta compréhension. Il faut dire, je sais rien. Quand on te dit, mais toi, en fait, tu es quoi? Tu es un joueur de football, de handball, de baseball, de basketball. Et moi, je suis un joueur de tout. Yaakov, il lui dit, Yeshikol, moi, je joue tout. Pourquoi? Je suis dans la 50e porte. Là où tu me mets, je vais jouer, c'est tout. Je vais jouer parce que j'ai rien enregistré. J'ai rien de préenregistré chez moi. J'avance. Voilà, ce qui vient, on s'adapte. Voilà, il faut être très souple, très très souple. Il faut énormément de souplesse. Les gens qui n'ont pas de souplesse, ils ont détruit leur vie. Je le vois, moi je peux vous dire, je le vois par centaines. Les gens qui sont des gens qui sont dans la logique, qui sont des gens qui vivent avec de la projection de leur logique, ils se détruisent leur vie parce que c'est impossible. Voilà, on en fait nos terrains de jeu, exactement. Là où on nous met, on joue. Allez, qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Basket? Allez, on y va. Tu veux football? On y va. Natation? On y va. Là où tu veux, ce que tu veux, on y va. Pas de problème. On est là. Animuchan Mzuman, je suis là. Souple. Il faut de la souplesse. Vous voyez, la seule chose qu'on a qui est de l'absolu chez nous, c'est ce que Hachem veut, c'est que le tzaddik il nous dit de la volonté d'Hachem. Le tzaddik il dit fais chatzot, fais de bodedout, va ouman, fais tikkuna klali, étudie la halakha, sois besimcha. C'est tout, vois le bien. C'est tout, voilà. Ça, c'est l'absolu. Je suis complètement soumis à ça. Après le reste, comme ça vient, je fais, c'est tout. Il ne faut pas jouer la comédie, ça dépend. Quelle est ton intention, Christian Le Golf? Ça dépend. Parce que dans les 5 conseils qu'il donnera avant Benav Nachman pour Meshoun Efraïla, pour avoir de la simfa, un des conseils qu'il donne, c'est de faire semblant d'être joyeux. Et avec ça, après, on arrive. Parce que ce qui dépend, ce qui compte, c'est où tu veux arriver. Si tu veux arriver quelque part, et maintenant tu fais semblant, pour arriver à quelque part, on ne sait pas semblant. Vous ne faites pas semblant. Vous êtes sur la route, c'est tout. Mais comme vous ne savez pas comment ça marche, c'est tout, vous faites semblant. C'est comme l'éducation. Un enfant, il fait semblant. Il ne sait pas. Mais avec ce semblant, il va se construire après. Est-ce que vous pouvez retirer votre mezouza extérieure et la remettre sur la porte extérieure d'un autre appartement? C'est-à-dire cet appartement que vous quittez, c'est un appartement que vous quittez. Si maintenant cet appartement que vous quittez, il y a un juif qui va habiter dedans, alors vous pouvez pas enlever la mezouza. Mais si maintenant c'est un appartement de location, vous savez pas qui est-ce qui va le louer, vous pouvez l'enlever, il n'y a pas de problème. Heureusement, Madame Evelyne, que Rabbeinu, il est là. C'est pas moi, c'est Rabbeinu qui est là. C'est ça le principal. Rabbeinu, il est là. Donc voilà, nous, on écoute un homme normal, un homme de normal, de très très haut niveau, qui est la norme, mamache,
qui est l'image de l'homme divin, qui est Adam Kadmon, Ak Adam Kadmon. Adam Kadmon, l'image de l'homme parfait comme Hachem il l'a voulu. Et on s'inclut en lui, c'est tout. Oui, ce semblant, c'est la brosse à dents, oui. C'est le côté de la brosse à dents, oui. Semblant, c'est la brosse à dents. C'est-à-dire qu'on fait, on fait comme si on était joyeux. Et avec ça, on va devenir joyeux. Pourquoi? Parce que, justement, aujourd'hui, dans la 50e porte, il faut faire que semblant, c'est tout. Parce que, de toute façon, la chose elle-même, vous pouvez pas la comprendre. C'est le mot Arnoun, la 50e porte. Elle s'appelle 50e porte parce que vous pouvez pas la comprendre. C'est pour ça qu'elle s'appelle 50e porte. Parce qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de, de logique, vous ne pouvez pas la comprendre. Donc la seule chose que vous pouvez faire, c'est faire semblant, c'est vous projeter dans la chose. Vous projetez dans la chose. Et avec ça, vous allez devenir. Avec plaisir, madame Nana, avec plaisir. Voilà, pour la prière, pour tout, pour Aaron, pour tout. Toi, tu vas arriver à la chose. Maintenant, comment tu vas arriver à la chose? Maintenant, tu n'arrives pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu avances, tu fais semblant. Complètement oublier le mental. Le mental, c'est notre ennemi numéro un aujourd'hui. C'est pas parce qu'il n'est pas bien, il est super le mental, mais seulement il ne peut pas nous suivre. Ça tourne trop vite. Le moteur, il tourne trop vite. Ça tourne trop vite, les choses elles vont trop vite. Le cerveau, il peut pas. Dès que vous branchez le cerveau, il explose. Il n'est pas fait pour ça. Exactement, on se lève comme un lion. C'est pour tout comme ça, Aaron. C'est pour tout. On avance comme ça. Parce qu'aujourd'hui, notre logique, la machine de notre cerveau, elle n'est pas faite pour ça. Pourquoi Hachem est nommé dans cette situation-là? C'est pour qu'on répare la faute d'Adam Arishon. Adam Arishon, il a construit toute la vie sur le cerveau. Maintenant, pour réparer Adam Arishon, qu'est-ce qu'on est obligé de mettre, de faire vivre des situations dans lesquelles le cerveau, il peut plus du tout fonctionner. Donc, comme le cerveau ne fonctionne pas, on peut pas utiliser la logique. On voit que si on va avec la logique, on va pas du tout y arriver. On se comprend pas nous-mêmes. On est plein de contradictions, on ne comprend pas les autres, on ne comprend pas notre conjoint, on ne comprend pas nos enfants, on ne comprend pas notre travail, on ne comprend rien du tout. Donc ça, c'est Hachem nous met dans cette situation pour qu'on puisse se brancher sur l'arbre de vie. Et l'arbre de vie, c'est un mode de fonctionnement qu'on ne connaît pas et qu'on va connaître, qu'on va y arriver par la force des choses. C'est-à-dire que maintenant, quand on va voir que l'arbre de la connaissance ne fonctionne pas, on va arriver automatiquement à l'arbre de vie. On va être obligé de fonctionner avec la connexion. On est amené à ça. Il faut être pour Bernard Ben-Marie, Bézant Hachem. On a besoin de mises à jour en permanence. Chaque seconde, il nous faut des mises à jour. On ne peut pas stocker ni de l'émotionnel, ni de la compréhension, ni rien. On ne peut rien stocker. Tout dans le cloud. Tout est dans le cloud. On ne peut rien stocker. On ne peut pas. Le disque dur, il ne peut pas. Il est tout de suite saturé. On ne peut pas. On ne peut pas stocker. Il nous faut un cloud. On tout stocke tout dans le cloud. Exactement. Il faut reset au quotidien, et Madame Azoulay, encore plus qu'au quotidien, il faut chaque instant du renouvellement. Chaque instant. Chaque instant, il faut se renouveler. On peut pas. La logique de ce monde, elle nous détruit. Elle nous détruit. C'est un système de destruction. Il faut faire attention. La logique, ça nous détruit. C'est pas parce que la logique, elle est pas bien, elle est pas adaptée à ce qu'on est en train de vivre.
C'est ça notre aujourd'hui, c'est ça notre système. Ben oui, c'est tout le monde comme ça. Ceux qui sont dans la logique, ils sont complètement dépassés. La tête, elle chauffe. Ils comprennent rien. Alors au début, ils font semblant, ils essayent de comprendre. Ils font semblant qu'ils ont compris et tout petit à petit, et puis jusqu'à ce que ça craque complètement. Quand ça craque, alors ils viennent et commencent à pleurer. Mais je comprends pas. Moi, j'ai fait tout, j'ai fait ça, j'ai fait l'autre. Pourquoi ça? Pourquoi non? Il n'y a pas. Il n'y a rien à comprendre. On avance, c'est tout. Bien sûr, c'est le discernement. Le discernement, il est dur, Gostiflao. Il est très, très dur, le discernement. Le seul discernement qu'il y a, c'est Ashrenu Matov Relkenu. Si on fait debout des doutes, on fait Hatzot, on écoute les conseils du Tzadik. Donc là, c'est tout, c'est le seul discernement qu'il y a. C'est le seul discernement qu'il y a maintenant, et c'est le seul discernement qu'il y aura aussi après 148 ans dans l'autre monde. C'est la même chose. Ça va être la même chose après. Donc, on réagit à tout avec de la connexion. Dès qu'il y a quelque chose qui se présente, on réagit avec de la connexion, on prie, on demande à Hachem, on demande à Tzadikim d'intervenir pour nous. C'est la seule solution qu'il y a aujourd'hui. C'est comme ça qu'il faut réagir. On réagit comme ça, c'est tout. On n'a pas d'autre possibilité. Il n'y a rien d'autre. C'est-à-dire tout ce que vous pourrez imaginer que de fonctionner, tous les systèmes de fonctionnement qui sont basés sur la compréhension, vous verrez que tout va s'écrouler. Il ne restera plus rien. Rabbeinu, il a dit, toutes les montagnes, elles vont être noyées par la mer. Elles vont être noyées par ce déluge-là d'hérésie. Il va y avoir un déluge d'hérésie. On est dans un déluge d'hérésie. Maintenant, toutes les montagnes, Rabbeinu l'a dit, tout celui qui sera un cerveau, qui va utiliser son cerveau, plus grand sera son cerveau, plus grand sera sa déchéance. Les plus grands cerveaux, ça va être la plus grande déchéance du monde. Baruch Hashem, Marwan Korah, Rabbeinu, il vous aide, Bezant Hashem, et Tzadikim soit toujours avec vous. Et tout, on a un rapport avec Hachem permanent, tout le temps. C'est vrai que l'Hidbo des doutes, c'est on fait Hidbo des doutes, mais Hidbo des doutes attitude, c'est toute la journée. Comme Meshonefra et leur attitude, c'est toute la journée. Toute la journée, Afalpiken, Adraba. Malgré ça, au contraire, on y va. Non, mais ça, on y va. On y va, c'est tout. On avance. Ah, il y a ça. Au contraire. Ouais, mais c'est au contraire. C'est tout ce qu'on a, Dvoral, on n'a rien. Juste ce qu'on a, c'est notre bouche et notre cœur, c'est tout. On parle avec Hachem. Dès qu'il y a quelque chose, on réagit par de la connexion, c'est tout. La réaction aujourd'hui, la réaction à voir dans toutes les situations, c'est de la connexion. Quand vous voyez quelque chose qui se présente de bien, de pas bien, une difficulté, une ouverture, n'importe quoi, il faut s'habituer à réagir avec de la connexion, avec de la prière. Pas essayer de comprendre. Ben justement, comment vous voulez retourner les événements pour qu'ils soient comme il faut? C'est quand vous leur donnez une connexion à la prière. Donc la chose, elle se remet à l'endroit. Quand vous priez, vous remettez la chose, vous la reconnectez sur Hachem, vous la reconnectez sur l'arbre de vie, et la chose, elle devient vraie. Oui, Aaron, tu me prends pour un Che Guevara de haut niveau, là. Non, mais c'est vrai qu'on vient colporter la parole de Rabbeinu, c'est tout.
On vient colporter la parole de Rabbeinu, amener la parole de Rabbeinu, faire de la connexion dans tous les endroits. Exactement, Pierre Castel. Où est-ce qu'on va? Je vais, Mishune Fraila. Et tout. Afal Piken. Adraba. Et tout, c'est tout. Il n'y a pas d'autre façon de gérer. Et on peut arriver à des choses extraordinaires. On peut arriver à des choses extraordinaires. Normal, des choses extraordinaires. On vit des choses merveilleuses. On peut choisir de vivre. Oui, c'est Londres, Samuel S. C'est on peut choisir de vivre des moments extraordinaires. C'est à nous, notre vie, elle peut être extraordinaire. C'est à nous de décider, c'est tout. C'est à nous, it's up to you. C'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez. C'est pour ça que, derrière, Rabbeinu dit, tu es sur la route. Quelqu'un qui est en route, il est en route, il n'est pas à la maison. Il ne maîtrise rien. Il n'a pas son frigo, sa cuisinière, son air conditionné, ses pantoufles, il n'a pas ça. Il a ce qui se passe, c'est tout. Hein, maintenant, il s'est arrêté à une aire de repos, il se repose. Maintenant, il y a une station-service, il prend un café, il y a un truc, il est en route tout le temps. Il a une mentalité de routier. Il a une mentalité de routard. Il n'a pas une mentalité de quelqu'un qui est installé. Il bouge sans arrêt, il se déplace sans arrêt. C'est ça aujourd'hui le fonctionnement. Ah ouais, c'est sûr qu'il faut dire kolakavod à mon épouse, parce que vraiment c'est pas facile pour elle. Une épouse, une dame, elle a besoin d'avoir sa maison et ses repères et tout. Oui, en plus, Michael Roux, avec ou sans valise, comme tu dis. Et tout, il n'y a pas. Il n'y a rien. On a notre bouche et notre cœur, et on avance, c'est tout. On n'a rien, c'est tout, on n'a que ça. Et avec ça, on a tout. Ah oui, ça c'est sûr, si s'il n'y avait pas Esther derrière moi, et devant moi, il n'y aurait rien du tout. Et va d'ailleurs, d'avoir une épouse quand même, une grand-mère, elle a envie de se reposer un petit peu, mais d'avoir un mari qui est fou, qui est tout le temps en train de bouger, tout le temps, allez, on va faire ça, hein, voilà, on fait ça. C'est comme ça, Rabbeinu, il ne nous laisse pas. Il faut bouger sans arrêt. On the road, sans arrêt. On y va. Abraham, Hineni. C'est tout, on est là, on est prêt, c'est tout. On est prêt tout le temps. C'est une nouvelle forme de vie, c'est une nouvelle approche de la vie, complètement différente. Au Hachem, on est sur la même longueur d'onde. C'est pas facile. Pour une femme, c'est beaucoup plus difficile que pour un homme, je pense. De vivre des situations qui sont pas, il n'y a pas de repère. On bouge là, et là, tout le temps, il faut bouger. Rabbeinu nous apprend, voilà, il faut bouger. Il faut avoir une mentalité derrière, c'est parti, mais assez. Dire que voilà. Si tu es sur la route, alors je vais te raconter une histoire. Je vais te raconter ton histoire. Je vais te faire vivre ton histoire sur la route. Oui, c'est vrai, ça permet de rester jeune, c'est vrai. C'est vrai. Rabbeinu dit, voilà, si tu prends la route, tu es d'accord de prendre la route, je vais raconter ton histoire. Oui, c'est vrai, il y a des femmes aussi qui aiment être en dehors, c'est vrai. C'est vrai. Des femmes qui aiment le changement aussi, qui aiment vivre. Mais bon, il y a des changements et changements. C'est-à-dire, quand on n'a pas de repères, on aimerait un peu, je sais pas, construire un petit peu des choses, surtout quand on a des enfants, des petits-enfants,
un petit peu des rapports un peu familiaux, un peu des. Et là, on est toujours en train de bouger, tout le temps. Mais bon, Hachem, c'est comme ça que Rabbeinu, il veut. Et tout, Ashrenu Matov Kelkenu. Donc, ce qu'on retient d'aujourd'hui, Bezat Hachem, qu'on a le mérite, Bezat Hachem, Bessoud Rabbeinu, qu'on a le mérite de vivre cet enseignement. C'est-à-dire d'avoir une souplesse qui nous permet non seulement d'esquiver les difficultés, mais de les transformer en bien. Non seulement on esquive les difficultés, les problèmes, mais on les retourne et se retourne en bien. Rabbi nous l'a dit, Yeshinyan, Charkol mitapech le Tova. Il y a un Inyan que tout se transforme en bien. Parce que ce qui vient, on le retourne. Vous comprenez? Voilà ce qu'il faut demander à Hachem, qu'on ait le mérite que de ne pas bloquer. Avec de la logique. On bloque pas avec la logique. On danse, c'est tout. Il faut la souplesse de la danse. Tu danses, c'est tout. Maintenant, il y a un rythme, tu danses. Le rythme, il change, tu changes de danse. Mais toujours en train de danser. Tu t'arrêtes pas. Tu t'arrêtes pas de danser. Tu danses tout ce qui vient, mais Shonefra est là. Tu danses le septième mondial. Celui qui avait pas de jambes. Il avait pas de jambes parce qu'il dansait tout le temps. Il avait pas de jambes qui se posaient. Il se pose pas, il danse. Ça vient. Allez, je m'adapte à ça. Je danse sans arrêt. Bezat Hashem. Bezrout Rabbeinu. Kadosh Baruch Hu. Alors, je vais voir si je trouve. Comment ça s'appelle? Ah, d'abord on va faire le Bezat Hashem s'ajouter. On va faire la, comment ça s'appelle? Les deux à la route que notre cher ami Binyamin nous envoie. La réchilout, c'est-à-dire rapporter à une personne ce qu'une autre a dit ou a fait à son encontre, est interdite même dans le cas où les faits rapportés sont absolument véridiques. Cet interdit demeure en vigueur que l'auteur du dénigrement soit présent ou non. S'il est effectivement présent, la faute est plus grave encore, puisque sa présence ajoute du crédit au récit et que les auditeurs risquent d'y croire davantage. Si Lévi, quelqu'un qui s'appelle Lévi, révèle que Réhouven, c'est-à-dire quelqu'un d'autre qui s'appelle Réhouven, nous a dénigrés, il nous interdit de demander à Réhouven des explications, même si, sans citer Lévi, nous nous rendons coupables de réchilout, de colportage, puisque Réhouven le dit du roi lui-même. Donc ça, c'est Bezat Hashem, Sroud du Chapetz Chaim, Yagen Alenu. Merci Binyamin. Tous les jours, Baruch Hashem nous envoie. Alors, on va essayer de trouver la tfila de Rabbi Nathan. La petite tfila qui diffuse tous les jours. Rosh Hashanah sheli ole alakon. Rosh Hashanah sheli ole alakon. Voilà. Ribono Sheolam, maître du monde. Somer Hashem lechol anoflim. Hashem, tu donnes un appui à tous ceux qui tombent. Vezokef la kefufim. Et tu relèves tous ceux qui sont pliés. Chus v'chamol v'rachem aleinu. Et pitié. Et pitié de nous. Hachem. Hachem. Et pitié de nous.
et pitié de nous. Alkol nefashot, amcha bet Israël, toutes les âmes du peuple d'Israël, amunachim bimakom shemunachum, qui se trouve là où elles se trouvent, begale lahem velanu et atzadik haemet, révèle-leur et révèle-nous le tzadik haemet. Merci Philippe Giraud. J'arrive pas à dire un mouvement. Merci Philippe Giraud. Hachem vous bénisse. Pour le Mishkan, Baruch Hachem. Hachem vous bénisse. Révèle-leur, révèle-nous le tzadik haemet chez Bador. Il était tzadik haemet amitim de la génération. Et Badorazé, qui sont dans cette génération. Chez Ishlaem, Koach, les Taken et Fashot Israël, qui ont la force de réparer les âmes d'Israël. Et la Shiva Melecha, de le ramener vers toi. Ultoratra, Behemet, et Veta Torah, vraiment. Vizakenu, Kulanu, Bet Israël, et Karevelehem, Behemet. Et qu'on puisse, nous, toute la maison d'Israël, se rapprocher au Tzadikim véritable. Vraiment. Voilà, Rabbi Nathan. Je vais voir si je trouve les noms que notre chère dévouée Sarah Atlan nous occupe tous les jours. Alors, Bezrat Hashem, on a fait cours, Bezrat Hashem, ce cours, on a fait pour la refouah shlema de tous les malades. Et parmi eux, le Rav Besançon, Israël Yitzhak, Ben Fortuné. Le Foua Shlema, toutes les Yeshuot pour Mikael Moshe, Ben Turquia, Fortuné, Batsimi, Mylène Myriam, Bat Fortuné, Charlie Shalom, Ben Rebecca, Sébastien David, Ben Françoise, Sarah, Ilisheva, Bat Rachel, Yafa, Deborah, Ishaya Chaim, Sauveur, Ben Myriam, Céline Sarah, Bat Nicole Pisa, Patrick Lazare, Ben Nicole Pisa, Yves Shimon, Ben Alice, Michael Moshe Selam Leveil, Ben Rivka, Deborah Selam Leveil, Bat Rivka, Jacqueline Mazal, Bat Marcel Khomsana, Juliette Léa, Bat Sassia Shoshana, Brian Ben Marine, Jonathan Moshe Ben Baya, Yosef Ben Sarah, Alain Brami Ben Sarah, Sabine Brami, Bat Mazal Tov, Natasha Naomi, Bat Elisheva, Donald Ben Carol, Esther Bat Sarah, David Raphaël Ben Mesoda Cohen, Simcha Levi Gweta, Bat Odette Oyon Levi, Dylan Gabriel Israël Gweta, Enzo Yaakov Chaim Gweta, Noah Hana, Sarah Gweta, Etan Eli Mendel Gweta, Ben Isabel Simcha, Levi Gweta, Nathalie Levi, Eric Abraham Levi, Ben Odette Oyon Levi, Odette Oyon Levi, Bat Marcel, Didier Yehuda Gweta, Ben Jocelyn Zahira, Sultan Gweta, Yosef Ben Germouna, Rachel Martin, Bat Ora, Samuel Yachia, Ben Rachel Martin, Léa, Bat Rachel Martin, Yaakov Ben Esther Marciano, Juliette Léa, Bat Sassia Shoshana, Suzanne Bat Simon, Ren Bat Leona, Freddy Ben André, Patrick Shalom Ben Merzouk, Shalom Toati, Rachel Batalia, Mani Rilalao, Josiane Batmacht, David Elfassi Ben Soulika, je crois qu'il est décédé, alors Lilou Nishmato, pour la refoua et les chouot de Alicia Zorila Batmaria, Agnès Batnicole,
Esther bat Gemara, David ben Emé Mesaouda, Yosef ben Dina Bobot, Eliaou ben Magi, Betzalel ben Patricia Rachel, Tova Ketania Batsara, Shmuel ben Yamin ben Céline Simcha, Elisheva Yeled bat Tova Ketania, Dova Cohen ben Shoshana, Baruch Levi Deborah bat Stasi Golda, Baruch Avram ben Rachel, Meir Malka ben Jamila, Mesaouda bat Zehora, Tinok ben Chava, Adélie bat Céline, Sandrine bat Janine, Mireille bat Marcel, Esther bat Chassiba, Moshe Raphaël ben Chassiba Lévi, Rachel bat Mercedes Menucha Simcha, Etienne ben Céline, Clara Yael, Mesoda bat Myriam Daniel, Elsa Esther Bila bat Myriam Daniel, Michael ben Myriam, Yiget Aisha bat Fortuny Mazal, Shmuel Shlomo ben Betty Julie Journo, Dvorah Myriam bat Corinne Ayala, Corinne Ayala bat Rachel, Ruth Alexandra Esther Chaya bat Luna Patricia, Rachamim ben Ruth, Eliaou Moshe ben Tzipora, Eden bat Tzipora, Yohana bat Tzipora, Levana bat Tzipora, Tzipora bat Chaya Kamra, Léa bat Alisheva, Nina Cohen bat Mazal, Francine Mazal bat Perla, Laurent Sarah Ren bat Esther, Sandra ben Saïd bat Daniel, Raphaël Benjamin ben Sandra, Alexandre Chaim Nathan ben Sandra, Lital Dvora bat Yael, Rizel bat Martidema Simcha, Eliaou Cohen ben Simcha, Pinchas Alevi ben Nimchana Dina Rizel, Sarah bat Nina Cohen, Eli ben Nina Cohen, Victor ben Nina Cohen, Eric ben Nina Cohen, Francine Mazal bat Perla, Laurent Sarah Ren bat Esther, Eliaou Moshe ben Tzipora, Yosef ben Sarah, Rud Esther bat Ruth, Chaya Kamra bat Joua, Yohan Shalom Yosef ben Mazal Fortuné Francine, David Bader ben Dominique Dvora, Amram Levitzak ben Sarah, Bader ben Dominique Dvora. Askara pour l'élévation de l'âme de Maurice Moshe Botbol ben Mordechai Verena. Pour la délivrance, Bezrat Hashem, de tout de Chani bat Bertha Chaya, Fortuné bat Simi, David Raphaël ben Mesoda Cohen, Doris Simcha bat Gila, Esther bat Sarah, Suzanne bat Simon, Shoshana bat David Jacob, Eliaou Moshe ben Tzipora, Micha Nechama Nirei bat Machla Rachel Chaya Kolet, Eva bat Lilian, Anne bat Marie-Louise Bertha, Marie-Louise Bertha bat Ida, Mesod ben Mazaltov, Michel Mazouz ben Marcel Erissa, Ilan Elis Genoun bat Jacqueline, Claude Moshe ben Richmé, Machlouf ben Rose, Frida bat Esther, Julie Claude Esther bat Rina Véronique, Raphaël Pierre Maurice ben Rina Véronique, Chaim ben Dina, Emmanuel ben Esther, Sarah bat Yael, Etan Chaim Betzalel ben Raphaël, Raphaël ben Karine, Daphné bat Karine, pour le Shalom Bayit, pour tous les gens mariés, et particulièrement pour Simcha bat Mazal Tov, Yaakov ben Sarah, Karine bat Rosemonde, Michel ben Freddy, pour des Zivugim Bezrat Hashem, Shalom ben Fortuné, pour des Zivugim, pour tous les célibataires, parmi eux pour Myriam bat Sarah, Yael bat Estreya, Malka bat Gitel Chaya, Naomi bat Stella, Esther bat Sarah, Shmuel ben Mazal Tov, Yael bat Ruth, Natasha Naomi bat Elisheva, Donald bat Carol, Elsa Emmanuel Amalka bat Patricia Sarah, Samuel Massoud ben Patricia Sarah, Samuel Yachia ben Rachel Martin, Yael bat Rachel Martin, Dylan Gabriel Israël, Enzo Yaakov Chaim ben Isabel Simcha Levi, Noah Hana Sarah bat Isabel Simcha Levi, Etan Eli Mendel ben Isabel Simcha Levi, Sylvie bat Esther, Yuri Moïse ben Katia, Katia bat Lilian, Donna bat Patricia, Ruben ben Patricia, Gaël ben Lucie Dvorin, Arthur ben Patricia, Léon ben Sonia Sarah, Avram Yehuda ben Mazal Fortuné, Cathy Sylvia bat Irène, Noach ben Nina Tabé, Léa Myriam bat Agnès Ariel, André Messard Rachamim ben Bachla Rachel Chaya Colette, Déborah Safar bat Sarah. Pour l'élévation de l'âme, le repos de l'âme, Esroud Rabbeinu, de Sylvain Yitzhak Ben Chaim, Janine Bateglantine, Richard Machlouf Alimi, Joar Yvette Bat Belara, David Shalom Ben Sarah, Denise Bat Lisa, Shirel Aboukrat, Nenet Seren Sultana Bat Marie, Suzanne Bat Veroni, Shalom Ben Fortuné, Rosa Bat Rosa, Gilbert Avram Ben Rosa, Yosef Ben Chavnia Levi, Yakot Bat Saada, Rouen Meir Ben Yiftar Boaz, Enzo ben Myriam, Esther bat Mesoda, Moshe, Maurice ben Rosalie, Simi bat Esther, Yosef ben Abraham, Shmuel Tzibon ben Yehuda, Michel Ritz ben Francine, Kemal
Sirveruvik ben Amumika Bizerka Gal Batsara, Jordan Yehuda ben Agnès, Chaim ben Suzanne, Nechama Duna Doli Bat Shalom, Eliyahu ben Sarah, Juliette Ida Bat Hana, Yaakov ben Mesoda, David ben Presiadad, Daniel Ambash, Mesod Israël, Shukrun, Moshe Gigi. Voilà les amis. Ashreinu matov chelkenu, Ashreinu matov chelkenu, Omanayim gehur alenu, 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 Ashreinu matov chelkenu, Omanayim gehur alenu. Ah, je ne m'en veux pas, 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 Ashreinu, comment on peut remercier Hachem pour tous ses bienfaits, pour le fait qu'il a envoyé Rabbeinu dans l'Olam et que Rabbeinu nous a convoqués, nous a appelés par miséricorde. Comment on peut remercier? Combien de sourires on doit faire pour remercier? Shulefraïla, plaisant Hachem. Merci les amis, merci à tous, à toutes, de votre présence, de votre participation, de votre soutien. Acharino, Moutoufrekeno. Voilà, on se retrouve à 4h, Bezat Hachem, pour la paracha avec Rabbi Nathan. Si j'arrive à trouver un livre, parce que je n'ai pas pris le livre avec moi, et où si j'arrive à voir le passage, je vais demander à quelqu'un de m'envoyer. Bezat Hachem, portez-vous bien, que de bonnes nouvelles. C'est vrai, on pleure, mais on est connecté. Sirou Leiter, Michael, j'espère que tu vas bien, mon ami. Alors, on va voir ici, qu'est-ce qu'on peut mettre comme... Est-ce qu'il y a une vidéo?